Alléluia. Amen. 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 Voici le jour arrive. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Je vais vous dire que vous êtes content de vous faire dans la présence. Amen. Voilà, et les temps passent beaucoup vite. Et gloire à Dieu. We're going to catch up. Voilà, grâce et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, ma musicien. Merci, ma ticket qui me conduit à ma louange, adoration. Dieu bénisse. Amen. Continue de persévérer avec Dieu. Et nous vous passons directement à la parole de Dieu. Lucifer, aime à ceux qui ont besoin de nous ou quelque part, et beaucoup spécial à ceux qui sont connectés avec nous. Et Lucifer fait une étude sur les 7 lettres de l'Apocalypse des Églises. Amen. Il y fait le presque 5, le reste 2, aujourd'hui on va faire 1. Et on va lire aujourd'hui le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. On passe directement à la parole de Dieu. Amen. Le verset 7. Nous sommes au 6e lettre. C'est à l'église de Philadelphia. Amen. Amen. En anglais, c'est Philadelphie. Amen. Amen. Philadelphia, en français, c'est Philadelphie. Pardonnez-moi, le mélange de mots. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 7 à 13. Amen. Je cœur de ta vie couvert. Et un petit récap. Je vais étudier ça, pas oublier que dans chaque lettre adressée, il y a un message. Pardonnez-moi. Il y a une adresse. Ok. Et là, un message, soit une correction, et aussi à la fin, énorme bénédiction. Ok? Nous sommes un petit chose à nous bénir. Et pour cette information, nous pouvons appliquer ce qui nous permet à l'église, parce que c'est ma contexte de ma église, que là, Jésus-Christ, il est intéressé quelque part à même, pour moi, à sa ressemblance. Amen. Et ce qui nous fait aujourd'hui, vous, comme vous l'avez couvert, vous faire le stupid theory, c'est-à-dire que vous détaillez en place le verbe de ta vie couverte. Avec papier, ce plume, ce papier, amen. Et on va faire la lecture. On va faire la lecture, rendre grâce, et puis on va entrer dans l'étude d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je prie pour sa prochaine série de terrain. Amen. Amen. On va trouver la même jour, on va trouver dans le livre. Amen. Gloire à Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Amen. Prends une plume, souligner. Je commence à souligner là. Amen. Amen. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, nous soulignons, celui qui ouvre et personne ne fermera. Amen. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. On va rester là-dessus aujourd'hui encore. Souligner, tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Je veux dire peu de puissance. Et tu as gardé ma parole. Amen. Et ce que tu n'as pas gagné, mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. De verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le Amen. Nom de la ville de mon Dieu, Amen. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, pardon, le verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. On va dire Dieu, merci, ce soir. Seigneur, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vis devant toi, pour glorifier ton saint nom, Papa. Merci pour la vie, de la grâce, de la paix, de la joie. Bénis chacun d'entre nous. Seigneur, ne fais ce parmi d'un homme. Mais on vous dit que ta parole est prêchée dans la liberté de Jésus-Christ. With your words in my mouth, let the words be like fire. And the people that listen be like a little shoot, God. Holy Spirit of God, take over. Vous déclarez dans ce lieu. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Enseigne-nous ta parole. Pour glorifier toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te disons Amen. Amen. Vous nous êtes plus papier au rendez-vous et on commence. Amen. Maintenant, cette semaine, on va parler sur l'église de la Philadelphie. Pas oublier que, et non, aujourd'hui, nous devons lire, je vous trouvais que l'église de Philadelphie, à aucun moment, Dieu parle réprimandé. Amen. Comment dire, Jésus-Christ parle réprimandé.
Et Genèse 2, l'église dans sa cette là, le premier église d'Apocalypse chapitre 2, de verset 8 à 11, c'est l'église de Smyrne. Ok? Et puis maintenant, aujourd'hui, le livre de Philadelphie. Pourquoi Dieu parle de Primandie, de quoi dit ça se faire? Quelque part, moi, je vais comprendre ce secret. L'église de Smyrne, le livre d'Apocalypse 2, 8 à 11, nous vient trouver que cette église lui passe dans la tribulation et persécution. Là, nous allons comprendre qui déjà explique ça. Quand on passe dans cette tribulation et persécution, il raffine nous et on poste plus avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va regarder pourquoi aujourd'hui, l'église de la Philadelphie, Dieu parle réprimant, on dit pourquoi de quoi l'été. Mais avant qu'il m'en de l'avoir aujourd'hui, il dit pourquoi prendre un secret. Je connais beaucoup de fois du portage à ce secret-là avec Dieu. Amen. Beaucoup de fois, donne la prière, jamais nous dire. Nous dire, bon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Bon, il parle le thème du message, hein, mais il ne fait pas cela. Jésus dit comme cela, c'est moi qui détiens les clés de David. Quand nous ouvert, personne ne ferme. Quand nous fermé, personne ne ouvert. Mais vous posez une question aujourd'hui, une des anciens de ça. Qui s'applique là dans la prière, il a assez de courage. Il dit, Seigneur, on veut prier toi pour un projet. Seigneur, si ça vient de toi pour ouvrir la porte. Sinon, Seigneur, te ferme. Amen. Beaucoup d'entre nous, fort de moi, pour prendre l'exemple, une jeune fille fait contre un garçon fait contre une jeune fille. Pour prendre l'exemple, un projet de maison, un travail, beaucoup de femmes pour prendre l'exemple, suis-moi. Vous trouvez une application que vous dire pour vous envie bien de test de l'air. Pour prendre l'exemple. Tout le monde a envie bien de test de l'air, je t'en envie car vous pouvez faire application. Mais je ne pas demande Dieu, est-ce qu'il y a assez de courage pour dire à mon Dieu, pour moi, Seigneur, si ça la porte là, vient de toi, t'ouvrir un lit. Si ça la porte là, Seigneur, pas vient de toi, ferme. Dieu, c'est présent. Demande l'expression, si c'est présent là. Merci, Jonas. Amen. Ça, ce secret-là, il est important. Parce que pourquoi, quand nous ne pas connaître qui volonté, mon Dieu, il est important de nous laver, nous restons appelés à aider. Bon, prends-moi, vous pose-moi, nous en laver, vous laissez. Tranquille. Les circonstances, situations pour m'aider. Bon, prendre l'exemple, vous rappelez, vos pasteurs à l'époque, vos partis comprenaient, mais avec l'État, vous comprenez. Vous êtes là pour faire un choix, pour m'aider, vous allez dire, frère, mais qui m'a payé des affaires? Qu'est-ce qu'il dit? Vos partis comprenaient, évidemment, la ville laisse tout à fait en place. Sorti dans toi de tous les causes, sorti après les causes zéro. Vous avez qui vous mettez à fond, vous avez sorti dans tous les causes. Les participants, on explique ça dans ma manière là, moi qui ne m'en comprends. C'est qu'il disait, moi, quand il y a un choix qu'on a pour faire, l'ordre, sorti en dehors, pas faire non rien pour intervenir, pour faire y aller. Vous comprenez moi? C'est-à-dire, vous avez envie de partir pour aller. Vous mettez dans la prière, pas à l'ambassade, pas à non rien, l'ordre. Laissez-y tranquille. Si il vient de Dieu, on trouve ce qui met là. Amen. Amen. S'il n'est pas vient de Dieu, mais c'est moi beaucoup de monde par Dieu ça dans ta prière. Mm. Pour moi personnellement, mon content d'y aller. Seigneur, s'il n'est pas vient de toi, fermez la porte pour Dieu. Parce qu'il n'y connaît pas, ne pas oublier qu'il nous conduit dans notre venir. Bon, par contre, demain, il va arriver. Mais c'est moi qui connais notre avenir. Il connaît notre espérance. Il connaît dans le futur qu'il a offert. Mais c'est vrai, il est important de savoir faire confiance, pas ça veut dire qui, quelque part, mon point fait le travail là. Non, restreins-toi. Tu as envie de faire une petite chose, restreins-toi. Mon envie, ça, mon envie, on est dans la case, mon envie, ça. Attends-le d'une même direction. Et là, beaucoup de monde est content de faire mon Dieu causer. Tu ne peux pas causer, moi, cause en toi. Dieu, c'est Dieu. Moi, tu n'as pas dit mon Dieu, ça. Nous avons dit à Dieu que toute volonté de faire. Mais qui est capable de te prier d'un moment à prendre un secret. Dans ta prière, mets-les profondément. Seigneur, que volonté de si cela est vide de toi pour ouvrir la porte, si cela n'est pas vide de toi, papa, fermez. L'air-là, c'est vous trouver la bénédiction. Pas intervenir. Pour prendre l'exemple, fort de moi, mon cas, il y a dans la simplicité. Pas à le prendre, se mettre la main dans le dimouna sous la main, il y a dit qu'on est capable de travailler. Ou peut fausse la main, mon Dieu. Je t'amène. Je t'amène. Amen. Ça, c'est déjà arrivé moi. C'est dans un collège qui m'a dit déjà abordé vos enfants. Quand on allait me mettre dans la main de Dieu, je me rappelle, je me dis, si en cas vous faites un beau péché, moi j'ai de contact, moi fais ceci, moi fais ceci, moi pousse, moi pas si mes aiguilles, moi pas si mes épingles. Si demain moi place ces enfants-là de l'école qui pas supposé, je connais la conséquence capable. Je me dis, Seigneur, qui te volonté de faire, on est posé dans la main de Dieu. Seigneur, tu ouvres la porte. Pas. Si il est béni, gloire à Dieu. S'il parle de lui aussi, gloire à Dieu. Il connaît tout. Dieu, Dieu connaît tout. Dieu, c'est un secret, mon amour. Quand vous avez déposé dans la main de Dieu,
quitter. Amen, amen. Pas sortir ma pitié dans eux. Amen. C'est pas le terme de notre message aujourd'hui. Amen. Mais le prendre un petit peu plus profond. C'est qui motive mieux vous dit de souligner ce qui se souligne. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole. Lui dit c'est peu de puissance. Tu n'as rien pas regretter qui était, qui la source. Pour moi personnellement, si Dieu, pour prendre l'exemple, cette église, c'est le church, il y a les autres églises. Si un jour Dieu dit comme cela, l'église de cette church, il tient nous à toute chose, il ne pas réprimande nous. C'est une grande victoire. Je vais comprendre pourquoi vous dites ça. Il tient nous à ta fête, là, pas plié. Il ne fait pas à un homme. Il parle à l'ange qui est le pasteur, mais aussi il parle, il peut corriger sa congrégation. Mais quand il parle corriger sa congrégation, quelque part, c'est une grande bénédiction. Amen. Parce que peut-être notre défaut, et notre tigre, mais c'est moi qui dis toi, Tini, nous allons arrêter maintenant. Et ça l'air de nous dire pourquoi cette église, Dieu parmi nous répondit, de l'église de Smyrne, maintenant l'église de Philadelphie, amen. Mais aujourd'hui, nous tous avons peu de puissance. Qui peut redire par peu de puissance? Tu as peu de puissance, mais tu fingardes la force, tu fingardes mon parole. Nous avec nos peu de puissance. La première chose de peu de puissance, c'est que beaucoup de vous pensez, il faut des gens intellectuels, intelligents, séculiers ou quelque part, les là qui vont dire vos contents. Non. Ce qu'on a dit la dernière fois, un diplôme de pédale d'éducation, mais il contente ce qu'on dit. Amen. Amen. Ça qui est bien important. Amen. À quoi sert-il? Oui, frère, oui, mon éducation, oui, mon éducation. Mais sinon, vous comptez pas l'espace de désordre et manquer. Vous comptez pour des amants de qui viennent à l'éducation. Amen. Parce que c'est précieux, parce que mon éducation, vous dites, quelque part, des gens m'entraînent d'un diplôme à cause de bien l'éducation. Et il n'a pas fait ça. Jamais fait ça. Et qui lui met l'église, lui fait 16 heures, un démon n'est capable plus pas de l'échelle de la société. Content-lique-moi de frère. Amen. Content-lique-moi de sœur. Parce que pourquoi? Il y a des enfants précieux devant ce monde. Amen. Et Jésus dit comme cela, c'est pas cause de richesse qui te plaît, loin. C'est amen. Mais tu as plus de puissance. Maintenant, regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'il t'explique, nous. Et la deuxième fois, nous pensons du pénal intellectuel. Non, frère et sœur, dans l'église. Ne pas comprendre mon Dieu que l'intellectuel, ne comprendre Dieu que l'équipe. Et c'est ça qui est une petite chose qui est importante. Dis bon, mon courage, tu m'as des enfants, d'avoir l'éducation. Bon, pas faire prêche contre l'éducation. Non, au moins, moi, je veux mes enfants à l'école. Sinon, moi, je ne veux pas mes enfants à l'école. C'est la même. Ne pas faire prêche contre l'éducation. Mais ce n'est pas avec l'éducation que nous gagnons. Regarde Jésus-Christ qui dit, il dit comme cela, si je ne pas retourne pour moi, ses enfants, j'en gagne moi. Je vais comprendre qu'il veut redire. Amen. Maintenant, on encourage tout le monde qui gagne. Au final, là, je vous dis, qui fait là? On encourage tout le monde qui gagne, frère, mon pénal, l'intérêt, mon parcours, les frères, mon gagne, mon monté. Écoute-moi, vite ça de côté. Jésus-Christ compte en toi pour moi, chrétien. Amen. Tu ne pas connaître Jésus-Christ compte. Tu ne pas connaître Jésus-Christ compte. Tu ne pas connaître Jésus-Christ compte en toi. Tu es un grand intellectuel, Jésus-Christ compte en toi. C'est lui qui donne toi. Amen. Je vais comprendre moi, mais c'est moi pas senti inférieur. Il y a des gens qui gagnent à côté d'elle, il pas senti toi jamais inférieur. Mon cas continue. Amen. Amen. La deuxième, et la deuxième fois, quand nous avons peu de puissance, et la deuxième fois, nous pensons qu'il n'est pas capable de retenir la parole. Bon, prendre l'exemple. Et la deuxième fois, nous louer, nous adorer. Et moi, mais comment ça ferait là, mais louer, mais adorer? Comment moi, je ne suis pas capable? Frère, mais comment je peux capter la parole? Moi, je ne suis pas capable. Beaucoup de fois, nous commençons à rentrer dans un état de condamne nous-mêmes. Nous pensons que nous avons peu de puissance. Ça, il n'y a pas de retenir. C'est une catégorie, je vous dis ça. Est-ce que tel dimanche n'a pas loué? Est-ce que un jeune qui a loué, adoré? Non, 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 non. Dieu permet, par la grâce de Dieu, Dieu dépose à nouveau les pierres. Comment nous finir cette étude, nous drapons la louange, l'adoration, nous explique ça. Amen. Amen. Casser bout en bout, tout dimanche nous est capable de louer à nos autres, au de la liberté que Jésus-Christ vit de nous. Amen. Amen. Nous te disons, peu de puissance. Peu de puissance. Nous pensons dans des fois de l'inhabilité pour retenir. Suis-moi, regardez-moi. C'est quand la parole qui est prêchée, tout cela pour connecter à la parole, quand la parole qui est prêchée, ce n'est pas nos cerveaux qui captent. Beaucoup de fois, on lit la Bible. On lit, on va lire pour tellement lire que tu arrêtes de comprendre, mais continuer. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui capte, c'est l'esprit qui capte. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quelqu'un qui mange des choses spirituelles, c'est de l'âme. Nourrit jour et nuit. Et il est important de comprendre que chaque parole qui est prêchée, pas de comprendre de l'intelligence, qui oui comprend de l'intelligence, mais comprend-lui aussi avec de l'esprit. Oui. Parole-là descend de l'église, pour descendre, vie descend.
Là, êtes-vous de plier, mais ça va se plier tout, de me passer au chemin, de me trancher la situation par où l'arrêter. Il y a la bonne semence de la bonté. Il me dépose à tous les quatre. Tant que pas trouver, quoi. Le Saint-Esprit dans l'air, il vous met, tu y a eu pour amener nous faire dans la terre. Les bonnes choses. C'est amen. Amen. Je veux dire, peu de puissance. Beaucoup de fois, ma circonstance autour de nous fait nous pour ma tête penser qu'il nous fait. Mon problème, mon circonstance, mon situation, ça comme ça, n'en est pas arrivé. Pour cette information, donne-moi bien. Les circonstances, puis c'est pour toi que je suis précondé. Beaucoup disent que tu as un problème de parler de l'église. Non, c'est faux. Bon, parlons aussi. Vous avez un exemple? Elle dit que je suis malade, pas à l'hôpital. Mais qui a dit qu'elle ne peut pas aller à l'hôpital? Pourquoi? Vous avez un traitement? Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi, quand tu as un problème, tu parles au traitement de tout là à l'église? Après ça, quand il demeure dans la case, il n'est plus malade encore. Vous avez compris ce soir? Les lèvres sont malades, puis aggravées. Amen. Quand on va venir faire le traitement. Mais que ça va faire tout? Louange, adoration, musicien. Non, c'est l'Esprit du Seigneur Amen. Qui est au milieu de nous. Amen. Il marche, il vit, il traite lesquels, il ne traite pas, il est encore plus fort. Amen. La présence, mon Dieu. Quand tu as un problème, jamais tu es dans l'état de la présence de Dieu. Amen. Faire mon péché, mon faillir, mon tomber. Oh, c'est l'un de la vie garde. Amen. C'est l'un. David t'a fauté. Quand tu t'as dormi dans le temps. Amen. Amen. Il va la dormir, il a dormi dans le temps. La nuit des jours, l'eau se fasse, répandit. Jusqu'à. Il est parti dans le temps parce qu'il est parti encore en Zé, comme en temps de Salomon. Amen. Mais il est là-bas, dans la présence de Dieu, parce qu'il connaît si il fouille à la face de Dieu. Il vous donne un problème. Et je vous dis, mon courage, quand tu as un problème, viens l'église. Amen. N'importe quelle situation, viens l'église. Qui connaît ce moment-là, il y a une parole pour toi. L'onction du Saint-Esprit béni, guéris-toi. Amen. Te pas connaître, parce que c'est un grand petit chose. Ça. Amen. Jamais, dire jamais. Pour vous fuir de la paix. Amen. Nous avons notre état. Nous sommes faibles. La Bible dit que quand nous faibles, c'est là qu'il nous faut. Amen. Regarde maintenant comment Dieu trouve nous. Une petite chose, l'avantage que le peuple de Philadelphie tient. Je te reconnais, je te fais. Quand je te fais, je te prends le support. Mais l'on qui veut appuyer, je vais guider ce qu'il y a d'autre appuyer. Je vais appuyer le bastien là, je vais appuyer le là, je vais appuyer le circonstance, je vais. Non, on va guider l'on qui. Parce que tu as gardé ma parole. Amen. Amen. Nous allons guider aujourd'hui. Et nous commencer, nous dire que tu gardes ta parole. Nous vous passons un petit moment là pour expliquer que garder la parole, c'est le centre de la chrétienté. C'est qui peut prendre notre écrit. Garde la parole. Numéro 1. La parole sens pour la vie. La parole, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Écoute-moi, frère la vie, cause la parole. Quand on cause la parole, donne-moi bien. Quand nous transmettons la parole, il est transmis de Dieu. Beaucoup disent en colère quand nous transmettons la parole. Mais je dis, on lance une petite chose à sa manière, on a fait de comprendre. Nous voyons, je prends un exemple. Je veux dire, parabole. Quand une aide vient nous la garde, ou pas content, qui ça l'éteint, béni, ou trapac, qui est là, maudit. Une aide sur la cour, béni. Je dis, moi, vous avez payé un amal. 2000 roupies parce qu'on fait excès. Et pas si ça qu'on peut faire excès, on peut rouler, nous rire, caméra. Tiens, au photo, une gagne, vous les dents. Tiens, au photo, j'aime moins ça. Ou trappe, là, vous donnez 4-5 carreaux pour le point. Ou tiens, vous les jetez une mauvaise. Ou grâce tout sur les dents. Ou tiens, sur l'air, vous faites 4 roupies, allez. Pactez-la, qui vous dit allez. C'est au point tout, moi. On a mis la lettre depuis la cour. Vous avez juste condamné Pactez-la. Dans de la vie. C'est ça même. Tant qu'il facte là, c'est mon travail. Vous avez compris. Moi, si facte là, quelqu'un qui se dit pas, vous avez demandé un voisin de l'école. Vous avez l'avocat, j'ai dit, là, on coupe bien vos goûts. Et il va faire, hein. C'est ça même. Mais il y a pourtant que ça vaut ça. La parole. Maintenant, cette parole dans l'autorité, facte là, maintenant, il vous fait. Rien qui vous était, ou un facteur spirituel.
Amen. Amen. Tout à même. Amen. Amen. On continue. On y va. La parole du premier modèle du sens de la vie, la parole les transforme, nous fait nous vivre à la ressemblance de Dieu. La parole transforme, nous fait nous vivre à la ressemblance de Dieu. Deuxième. Troisième. La parole les fait nous dégoûter, même comme fait du pain dans l'éducation ou même dans ma situation difficile. La parole fait nous dégoûter. Moi, spirituellement, l'a fait. Pardonne-moi. On trouve beaucoup de personnes, je dis Amen. On trouve beaucoup de personnes, Amen, je dis ainsi soit-il. On trouve beaucoup de personnes sur Facebook, je te mets Amen, je dis comme ça, tellement bien. Hein. Et je dis malade, je tape Amen. Je tape Amen, je dis Amen. Amen, c'est qui te fait d'accord, ça, tu es malade. Fais beaucoup attention, le diable est brisé. Et notre petite chose, vous dites, proche un tableau. Pour moi, pour me dire Amen, vos causes, pour moi, vous pouvez dire Amen, mon ami. Si un jour un homme de Dieu, il peut prêcher, vous pouvez écouter une prédication, il peut dire comme ça, la Bible dit que vous mourrez sans manger. Moi, je dis Amen, moi. Mon Dieu dit, toi, tu vas mourir sans manger. Parce que la Bible claire. Fais attention, pas dire Amen, mais tout petite chose. Toi, allez, mourrez sans manger, toi, la Bible dit l'éternel pour voir vos besoins. Selon sa richesse. Dieu connaît vos paroles. Mais tu dis qu'on vos paroles. Et le qui m'a papillé, mon adversaire m'a envie de mon trésor. Et l'adversaire qui m'a extra content. Le livre de Genèse 43, verset 11. Suis-moi, mon esprit, je te trouve. Parlez de Amen de tout à fait. Comprends qui te dit. Après, vous dire Amen. Amen. Tout Amen. Amen. Tout Amen. 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 Allez, le livre de Genèse 43, verset 11, donne-moi bien ça pour être. Tiens, dans la famine, donne-moi ça pour être de l'intelligence. Je vois vraiment de bon délivrant. Tiens, dans la famine dans l'Égypte. Quand tu es dans la famine dans l'Égypte, Jacob dit sur mes enfants, comme ça, ok, allez, à là-bas pour prendre manger. Pendant manger, il a dit à prendre manger, mais c'est moi qui prends la meilleure production du pays. Toi, je ne savais pas qui était Joseph. Ça veut dire qu'au milieu que tout le monde vient à manger. Toi, tu as un enfant manger. Tu es dans le meilleur froment du monde. Amen. Amen. Je garde Amen à ce qu'il y a. Amen. Vous êtes Amen, vous trouvez. Comment? Amen. Maintenant, écoute ça. Tu dis écoutez. Écoutez. Allez, écoutez. Je parle dans la pratique. Mais dans la pratique. Ça, mon père, c'est du boss qui m'en fait. Allez, comment? Tu dis écoutez. Écoutez. Et la trois possibilités pourquoi un démon pas donne la parole de Dieu. C'est la parole qui est importante. Donc, à cause de fait, c'est que Dieu veut dire à Philadelphie, te s'enfonce, mais de nous retenir nos paroles. Amen. Nous voulons guetter l'importance. Tu dis l'importance de la parole. L'importance de la parole. Trois petites choses. Un démon, quand il vient de l'église, il donne la parole. Mais il sortit y aller sans qu'il y comprenne, sans qu'il y mette en pratique. Nous restons. Pas récoltement, pas dire Amen. Je disais pour un dimanche venu de l'église, il y a 6 heures. Après un dimanche, l'église finit y aller. Vous dites avec qui? Un jour, on fait une survey. Dieu vient de nous faire une survey. Ça, on fait une micro trop fort. Amen. Moi, les petits bidons de haut, quand l'église finit, il ne faut pas arrêter. Bonjour, ça va ou bien? Ça va ou bien? Dieu bénit. Qui est-ce que vous dites? Ok. Beaucoup de frères ne m'ont pas connu, frères m'ont oublié. Simple, ça, Dieu, c'est un petit peu de Dieu. Simple. La plupart, mais ils n'en savent rien. Qui me présente, frère, un président de la parole, nous dit, mais ça, il est ça. Après une semaine, je me dis, il dit ça. Qui fait la différence? Nous avons connu, là. Parce que regarde-moi, dans sa dernière temps, c'est un petit peu humain. Oui. Tu fais, mais. De tenir vos paroles. L'entêté aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Trois raisons. Pourquoi un dimanche, quand il rentre dans l'église, il ne sort-il pas comprendre? La première raison, définitivement, parce qu'il est là avant. Il pressait, il n'est pas qu'on pressait, quand il causait, bon, pas capable de comprendre, il dit à mon affaire, il m'a dit, mon mot, il ne va pas connaître, pas qu'à digérer.
frère, pas capable, ça, la tête fait mal. Ça, c'est une raison. C'est d'accord. Non, c'est une raison. Pas payer à cause de moi, mais il y en a. Il y a des fois, il est comme ça. La deuxième raison, c'est trop simple. Il y a un problème avec nos oreilles. Amen. Elle s'en cache. Pitié, pas pitié dans l'air. Il y a des problèmes là, pas mis ici. Le problème là commence à descendre. Problème de Timoun là. Il n'y a pas attendu. À cause de ça, il y a 7 fois dans 7 déclinés, ceux qui ont des oreilles tendues. Tendues. Ça veut dire qu'il y a 10 mounes et nos oreilles ne sont pas tendues. Comment se fait-il? Pour moi, je me pose une question. Comment se fait-il un 10 mounes 40 ans dans l'église qui a 6 ans? Il n'est pas compris. Il moi-même, il n'y a pas de capable de faire avant. Jamais une méchante. Jamais une ancienne église. Troisième. Soit nous portons attention, mais nous commandons une religion. Nous venons de l'église, ils sont les présents. Venez, assisez, cause que causez toi. Quand il sortit, parole n'a pas même pénétré dans l'île. Il finit la même, toutes les semaines. Vous lire une église, c'est une religion. Vous dire ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus-Christ, cette église n'est pas une religion. C'est la vérité qui a envie de transformer la vie. Dans l'amour, pourquoi vous criez? Dans l'amour, il est important que nous prenions cette parole-là, nous mettons en pratique et loin de l'amour. Amen. C'est ta même? Dieu nous va prendre une petite chose. Et pourquoi vous prêchez jusqu'à 10h30? Amen. Nous venons la vie de l'île de Proverbe 30, verset 26. Alléluia. 30-26. Cette église, moi, je suis capable de dire ce que tu fais. Je dis quelque part, fais dans l'éducation, fais dans ça, je ne perds aucune richesse, je dis fais. Mais j'ai une petite chose, je dis content. Je dis content la parole. Amen. Je dis tellement désir cette parole, je l'église dit tellement. Et ça qui me fait, l'église de Philadelphie, pas fin être. Donner le coup de bâton à cause maintenant tu es content la parole. Je dis être content la parole. Je vais dire frère avec ça, comme ça, aussi, ça dit mille frères. Le livre de Proverbe 30, verset 26. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Next! Mec, mettez. C'est qui les damans? Là, il a. Ce sont les damans. Mes frères, les damans qui pouvaient faire que l'église, une sorte de l'Apocalypse, une finira de Proverbe, qui vous pouvez montrer. Regarde la parole. Les damans sont un peuple sans force. Quand je place, je placasse. Sur des rochers. C'est qu'il a pu écrire. Les damans sont des animaux qui paraissent comme un lièvre. Un petit peu plus gros. Mais pour placer sur la case, dans mon rocher, donne-moi bien. Il y en a les dents bien pointes qui les cafouillent trou dans rose. Et ce système digestif extra-avancé. La même? Amen. Mais frère, qui est-ce que vous faites? Nous parallèlons dans le monde spirituel. Combien il y en a qui gagnent quand la parole vient prêchée à les dents, bien fitée, bien prendre sa parole-là? Amen. Yam, 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 yam. Amen, amen. Yam, yam, yam. Ce système digestif incroyable, un peu plus avancé, un peu moderne, disait ça la parole là. Et la réponse, je te fais, je te la garde dans mon côté à l'oros. Pourquoi ton corps en bas, tu prends ton monde là-haut? Les diamants, peuple sans force. Les dans la fuité, système digestif là, bon. Je te fais, je te la garde dans vos chiffres. Pareil comme l'aigle. Et tout qu'on vit envolé comme l'aigle. Mais ton vie partir comme des damans, vite ça les damans. Et sans un système digestif. Amen. Amen. Parlez pas grave. Donc, il faut que madame Pradouze, j'ai tant que des frères qui n'aient pas pu dire. Soit Michel, un beau enfant, soit il y en a des qui ne sont pas ça que nous disons.
mauvais dièse comme ça, il est important de comprendre l'aspect spirituel de ces choses. L'environnement dans ma douceur, nous puissions digérer la parole de Dieu. On va terminer dans 5 minutes. Amen. Maintenant, elle a une petite chose aussi, elle a un petit dessin. Les damans, on appelle en anglais de Grunis, je demande de race qui content vivre en peuple. Finalement, la Bible est dans le monde, et elle est secrète dans la roue de l'Église. Peut-être comment les damans de vivre dans la société, de parler vite les dents, disait de mon Dieu, de pouvoir demander de Dieu. Oui. Saint. Moi, pas connais pourquoi il est compliqué, mais je vous dis tant bien. La vie chrétienne n'est pas compliquée. De louer, par l'eau de mon Dieu, de prier, de lire de la Bible, de venir écouter la parole, c'est tout. Oui. Je t'amène. Ce n'est pas compliqué. Mais digérer sa parole, là. Je veux dire digérer la parole. Maintenant, qui faire maintenant par rapport à l'église de Philadelphie? Maintenant, nous rentrons dans la bénédiction. L'église de Philadelphie, l'église de Smyrne, se tient de l'église qui peine gagne les temps, gagne man, coup de bâton parce qu'il tient la persécution. L'église de Philadelphie, maintenant, c'est tellement content de la parole. Et je vous pouvais encore quand je dis, retenir ce qui tu es là pour ne pas perdre ta couronne. Garde ce qui tu es là, comme garde ta parole de la persévérance. C'est que maintenant, tu as l'amour immense pour la parole de Dieu. Ce aussi, je ne sais pas pourquoi, moi, je nous ai fait sa vidéo là, nous avons fait. Maintenant, dans la Sine, si c'est la Bible, comment je vais gagner un trésor, je pense pleurer, comment je vais jamais gagner quelque chose. Ou tu vas mettre un plus bon plat à manger, tu vas manger sur le terrain. Mais pourquoi se fait-il qu'il m'en a quelque part, qu'il trouve cette différence? La différence, c'est dans l'enseignement de la parole. Et je vous dis, mon vie, je vais quelque chose. L'homme ne vivra pas de personnellement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole est une lampe en lui qui est une lumière sur mon sentier. D'habitude, je médite des veilles pour méditer, pardon, je dépense des veilles pour méditer à ta parole. Et la petite chose dans la parole, c'est une puissance. La Bible, c'est comme ça. Ma parole est un bâton qui brise les rochers. Cette parole, c'est une puissance. Vos paroles, pas pour retourner vers moi sans accomplir sur les faits. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, s'il vous plaît, dans l'amour, vous suppliez aux petits pauvres, vous dites, I urge you. Vous suppliez eux. Pas faire une l'église, religion, l'église, ici. Attendez, pas comprendre, non, ils sont dit. Combien de temps pour marin n'est jamais vu la mer? Combien de temps nous vous vivons la Bible comme ça? Combien de temps, et la Bible dit, tu peux être jugé pour des paroles vaines? Et quelque part, si tu peux être jugé par des paroles vaines, qui plus forte raison que tu peux être jugé par la parole qui te recevoir, te permet en action. Peuple de Dieu, mon urge. Pas vous inquiétez, on va arrêter la roue de pierre. Pour moi, comme on pensait, j'ai tout le temps envie d'être la roue. Pour ça, je ne peux pas avoir de la même question. Elle vient cacher de l'ego, cacher de figuier, on est une bénie, mais machin. Non, guette la roue. Mais ça, la roue transforme, la parole transforme moi. La parole transforme moi. Pour moi, quand elle arrive, Dieu est là pour transformer mon église. Pour vous dire, Seigneur, oui, je me fournis. Sans moi. Amen. Sans les Seigneurs, parce qu'il me faillit. Nous disons, il y a la force pour les âmes faillir. Pourquoi tu ne peux pas vous dire Seigneur, tu ne connais pas, Seigneur, le Seigneur, tu ne connais pas, fais tirer, laisse-moi que vous êtes contre, Seigneur, qui me retracer pour faire les Seigneur. Dieu, franc, on dit, oui, il me faillit. Il m'a fini. Ce n'est pas grand ouvert. Venez à moi. Pas moi. Adieu. Amen. Tout ce qui a changé, fatigué, mon Dieu, t'as fini, papa. Pardonnez, par espoir. Je t'amène. Allez, je vais la Bible ici. Nous allons terminer. Le verset 8, 9. Nous allons terminer. Nous lire. Non, allez. Ok, nous allons terminer. 8, 9. Thank you, God. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ok, moi, là, un petit peu plus doucement. Amen. Je prêche directement. Ok. Il dit, voici, je te donne de ceux des synagogues de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et là, beaucoup disent, mon fils en l'ennemi, l'amour. Là, on dit, on t'a prié.
Seigneur, tremblez au mal ennemi, Seigneur. Nous avons envie de disparaître sur la surface de la terre, Seigneur, comme le peuple de l'Égypte. Fais-le prendre dans la mer rouge, fais la mer rouge à tout le monde. Je connais Dieu pas agir de sa manière. Je connais qui tu es dans la manière qui tu agis. Vous avez envie de connaître? Non, c'est peut-être hier. Vous n'avez pas envie de connaître mon Dieu. Vous avez envie de connaître? Amen. Dieu dit, vous allez en anglais, vous allez en français. Une blessing à vous, monsieur. Te connais comment Dieu agit avec ton ennemi? Quand ton ennemi pour aider, pas pour craser l'ennemi là, mais il fait l'ennemi à se diriger pour faire et pour bénir. Amen. Il pourrait lèche toi au niveau de l'ennemi. Il vous dit toi comme cela, vous pouvez dire, fait de l'ennemi trouver qu'ils vont avec toi. C'est ça qu'il voulait dire. Pour faire manable une prostitution avec lui et reconnaître qu'il veut nous dire. Amen. Pas prier la mort de l'ennemi. Dis à l'ennemi la guédé qui te bouffait. C'est moi un jour que vous dites, ok, franc, merci. C'est grâce à toi qui me mis. Quand tu impuis-toi et toi de ton propre sort. Aïe, jamais mon patrie dans la vie. Jamais mon pauvre ici avec sa mieux mûrée, jamais ton capable. Quand tu as un problème, tourne la page. Plus vite tu tournes la page, plus vite pour mon toi. Tourne la page après que tu aies dit, ok, merci. Mon cogné là, mais ça cogné là, tu as mon cousin avec gros. Ok? Vous êtes d'accord avec moi quand vous cognez au cousin gros? Vous avez mis avec plaisir. La prochaine fois, vous cognez un deuxième gros, c'est ça qui vous casse. Pas au dessus. Vous comprenez? Imagine pour m'arrêter en demande. Après, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre ce que vous pouvez dire là. C'est la même. C'est ça, des choses de la vie pour être le plus fort. Eh bien, nous continuons, nous déterminons. Et on était où? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance avec moi. Le verset 10, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je te dis garder. C'est ça qui va faire. Quand vous persévérez, il vous garde toi de la tribulation qui est venue sur la terre. Qui nous rappelle, nous passe dans l'enlèvement. Amen. Je termine le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens, je veux dire retiens. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen. Et il n'en sortira plus. Mes frères, mais qui était ça? Pour qu'il y ait une colonne, mon Dieu, comment saisir une colonne de dans ce temple? On est tellement anciennement faux dans l'église. Vous dites, hey, c'est une colonne dans sa église. Et quand il y a une colonne dans sa église, là, quand on va le lit, vous dites, moi, vous cause que c'est parce qu'il y a un ferme de la bouche. Je vais faire médisant cette calomnie de Marcus à loin de l'éternel. Mais est-ce qu'on n'a pas qu'elle va prier avec lui? C'est une colonne dans l'église, c'est une coriace. C'est exactement ça. Tu vois qui t'aime qui se. Et qui dit à toi? Waouh! Ça n'a mon content. Qui vous met dans le temps, ça met de vous sortir. Tous les jours, tu prends ta face de Dieu. Amen. Waouh! Persévérez. Amen. Alléluia. Jusqu'à la fin. Et vous terminez sur cela. Et tu prends un nom nouveau. De la nouvelle. Je dis bien ça la dernière fois que chacun pourrait. Celui qui pourrait pourrait un nouveau nom. Qui personne ne pas connaissait ce qu'il mène. Mais aujourd'hui, toutes ces choses, ce sont des bénédictions qui viennent garder. Vous terminez sur un autre. Et la note, c'est le thème principal de l'église de la Philadelphie. Je suis content énormément la parole de Dieu. Maintenant, le ballon est dans votre camp. Comment nous développons la vie? Qui nous pouvons faire? Comment vous bougez à moi? Bon, vous donnez un petit bout de terminer. Mettez-nous debout toujours. Ne mettez-nous debout. De vous rendre grâce, je vous dis à Dieu merci. Thank you, Holy Spirit of God. Je vais terminer. Moi, j'ai certaines affaires. Donne-moi aujourd'hui. Le développement de notre vie spirituelle pour nous mener à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour impacter le monde autour de toi. C'est pli de vous disiez sa parole-là. Et plie de pouvoir à la conformité de Jésus-Christ. Amen. Et le grand danger, et le plus grand danger, c'est vos PSAVC là. Moi, extrêmement PSAVC là. Dit qu'il y a des derniers sur mon épaule. Et à la fois, nous rentrons dans la routine de notre vie, que nous oubliez, mais pas faire rien. Pierre dit ça comme ça aussi longtemps qu'il me donne son ardent amour pour rappeler les principes de l'éternel de Dieu. Et aujourd'hui, il est important de comprendre
pas prendre jamais point de la parole et que ça dit comme ça. Mais que sa parole-là lui prenne la glace selon le livre de Jacques, chapitre 1er. Te guérit, te guérit, te corrige toi-même. Et aujourd'hui, le désir de notre cœur, c'est de développer un amour profond pour écouter la parole, digérer la parole et vivre dans la société avec la parole. Amen. Comme on a vu d'être notre ami d'avant. Et qui est capable de partir de la maison sur les rangs, une place solide. Vous êtes amen? Vous amen. Connaissez sa verset là, il dit celui qui écoute ta parole et met en pratique, l'icoumanikan qui bâtit sur le roc. L'iconnecté. Amen. Et aujourd'hui, nous vous prions et nous vous terminerions. Amen. Qui nous vous priez, Seigneur, aide-moi. Je connais chaque fois que je viens l'église, fais-lui un devoir. Reste 5 à 10 minutes dans la prière, Seigneur, mon cœur écoute ta parole. Prépare-moi les guerres. Sois bien un petit peu bonheur. Prépare les guerres. Seigneur, mon vie qui te parle à moi, mon vie écoutée, mon vie sans et mon vie libérée. Écrire, garder, mettre en pratique pendant une semaine. Lire, comprendre. Sa parole-là, il sent des sens de la vie. Amen. Personne ne va vous juger, car c'est toi-même qui vous y sauve. Amen. Amen. Dieu, merci ce soir.